Coucou, mardi matin, j'ai l'impression que je vous ai pas pris depuis un mois. Ça, c'est ça quand tu fais du vlog au quotidien, à l'instant tu sautes un jour ou deux, ça, c'est la sensation que tu as. J'ai reçu hier une carte cadeau, donc en collaboration avec Camaïeu, marque de vêtements, pour un montant de 50 euros. Et comme j'en ai un chez moi, et bon, j'attendais parce qu'il fait pourri, il pleut depuis ce matin, et là, j'ai pris la caméra et il y a une jolie éclaircie. Donc, après manger, c'est fort probable que j'aille faire un petit tour pour éventuellement me trouver, je pense, plus un pull ou une veste, un truc comme ça. 50 euros, ouais, si, c'est jouable. Voilà, mais pour l'instant, je vais aller manger. Hier, je suis allée faire des petites coursettes à Inter et j'ai trouvé des petits trucs sympas. Je voulais me tester celui-là. Alors, c'est un rouge qui tire un peu vers le framboise. Je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit que j'allais le tester avec vous et j'ai trouvé des trucs qui me donnait vraiment envie, notamment une chose que je vais manger, je pense, ce midi. Alors c'est vraiment tout bête, casse-grain qui fait ça, artichaut, sélection tendre, mariné à l'ail, basilic et origan. Qu'est-ce que c'est? Tu voulais dire bonjour? Non, 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 par contre non, tu es gentil garçon, bien élevé, tu restes à ta place. C'est rempli, rempli d'huile, donc faut le faire vraiment délicatement. Ça déborde de partout. J'en mets trois comme ça déjà pour goûter, évidemment, ça suffira pas, et puis après j'enchaînerai sur une petite soupe améliorée. Alors, les artichauts, franchement, c'est bon. Ça vaut pas ceux à la crème, évidemment. Mais ça passe. Je pense que j'en rachèterai. Par contre, 3, ça me suffit parce que c'est quand même blindé d'huile. Et pour la soupe, je vais me faire celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh, c'est onctueux. Alors, si, comme on disait, on investit dans un Cookeo. Non, Cookeo, il fait pas les soupes, je crois. Dans un robot, du coup, cuiseur, je me ferai ma petite soupe maison. Ça va bien me caler toute la journée. Pardon. Je vais vous montrer. Moi, j'ai terminé de manger. Eric, là, à côté, il mange. On va tester ça. Je sais même pas comment c'est. Est-ce que c'est... Ah, si, c'est plutôt un... Comment ils appellent ça? Un rouge fabuleux. En collaboration avec une youtubeuse, je crois, Betty. Il est trash, hein. T'en penses quoi? Il est très bien. Il est beau, hein? Alors, moi, le truc, c'est que je tiens pas trop, mais les rouges, ça s'en va rapidement. Mais ce qui est génial, c'est pas une collab, hein? Je vous dis, c'est bourgeois, je suis tombée dessus. Il est hyper hydratant. Il tiraille pas. Ah, j'aime bien. Ça tranche en plus avec le blanc, ça donne bonne mine. Ouais, ça me plaît pas mal. Quand même, je vous fais un petit point sur mon teint suite à ce que j'ai fait. Franchement, c'est de mieux en mieux. On est à 10 jours, donc c'est au bout de 10 jours, je vous avais dit que les résultats sont optimales, on dit. Optimales, ouais. Et bah, la peau, elle est beaucoup plus rebondie, plus lissée. Les petites ridules, je trouve, hein, se sont un petit peu aplanies. Quand tu te maquilles, le résultat est beaucoup plus lissé, plus... Ouais, regardez. Le grain de peau, quoi, tout simplement. C'est peut-être un effet dans ma tête, mais non, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a des réels résultats. Et ça tiraille moins, très important. Chose qui me tiraillait quand je me maquillais. J'avais cette sensation très rapidement, au bout d'une heure, même une heure et demie, deux heures. Là, pas du tout. T'as l'impression vraiment que t'as une hydratation en continu tout au long de la journée, même en te maquillant. Donc c'est cool. En attendant 14h que ça ouvre, parce qu'il est que midi 50, je vais faire de l'écriture. J'ai un boulot d'écriture à faire. Pas sur le script de ma vidéo, on va dire. Un peu comme la candidate des télé-réalités. Même si je compte en faire une, j'ai même le sujet, enfin le personnage. Là, c'est pour toute autre chose et ça va me prendre un petit moment. Il faut que je me pose et que je mette vraiment toutes mes idées en place après que je structure. Ça prend du temps. J'ai bien avancé. Je me sens mieux dans ma tête. Le rouge à lèvres, Eric, il me dit, il faut voir quand même, au plus près. Peut-être un peu rouge quand même pour la journée. Et effectivement, c'est plus, comme il me dit, c'est plus pour une soirée ou faire des photos. Au niveau du temps, on est plutôt pas mal. Hein. Ah, c'est agréable. Il y a quand même des promos, donc je vais pouvoir me trouver des trucs sympas. Bon, attendez. Voilà, c'est mieux. Oh là, le vent a pas perdu ma coiffure. Bon, on s'en fout. Je suis arrivée, je me suis mise directement devant mon ordi. Je vous explique parce qu'en fait, la marque Camaïeu, avec qui m'a envoyé la carte en partenariat avec également Yvancy, m'a demandé de lui donner toutes les références pour que je puisse les mettre en barre d'infos. Du coup, vous allez retrouver dans la barre de description le lien vers
les produits que j'ai achetés, que je vais vous montrer tout de suite. Et il fallait que je les communique pour qu'ils me les en renvoient assez tôt. J'ai tout posé là comme ça. Alors, nous avons nouvelle collection 2020. Ce petit blouson effet cuir tout court, comme ceci. 39,99€, c'est ça. Je vais l'essayer juste après. Ce collant, qui était également dans 14,99€, mais qui était soldé à 10€, me semble-t-il. 10 ou 11€. Ce qui m'a plu, c'est, vous allez voir, voilà, les petites lignes comme ça, verticales. Et également ce foulard, moins 50%. Il est super sympa, à pois, c'est ce que j'aime bien. Je crois pas que j'en avais des bordeaux comme ça à pois. Alors, je me baisse, allez-vous voir ce que ça donne. C'est vraiment le très court, hein, mais il me plaît. Je voulais m'en reprendre un parce que j'en avais un qui était tout usé. Bon, avec un t-shirt comme ça, ça fait super sympa, je trouve. Et le foulard que je mettrai surtout, je pense, dans mes cheveux, comme j'ai l'habitude de faire. La couleur est sympa, je trouve qu'elle rehausse le teint. Avec les petits pois comme ça, ça me plaît bien. Et puis une touche de blanc. Voilà pour le petit foulard. Et les collants, bah les collants, je ne veux pas les essayer. Hein. C'est des collants qui m'ont l'air quand même assez épais. Et je vous dis, avec ces lignes-là, je vous montrerai, je pense, dans un prochain vlog, quand je me mettrai une jupe ou une robe. Voilà, je vous montre quand même de plus près l'effet de ce collant, qui est quand même assez opaque. Ce sera très sympa avec les bottes. Sur ce, j'ai un râleur qui m'appelle. Oh là 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 là. J'ai tout laissé en plan, hein, ce que j'écrivais. Voilà, monsieur a envie de prendre son goûter avant l'heure, 15h15. Bon, je vais lui donner, sinon il va pas arrêter. Mais, calme-toi. J'en ai profité pour me faire une tartine grillée avec du beurre et un carré de chocolat, 70% chocolat noir. Ouais, j'ai pas encore commencé. L'arrêt du sucre, non. Il est 17h19, je vais y aller en ville parce qu'en fait j'avais complètement zappé. J'avais commandé mon... J'avais mon traitement qu'il faut que j'aille chercher pour, vous savez, comme, je sais plus si je vous l'avais dit, ce que je prenais là, le fer et tout pour mon anémie et tout ça, et tout ça, c'était top. Et au bout de 4 jours, bah voilà, quoi, j'ai refait les douleurs dans le ventre, dans les reins, bref, je le tolère pas. Donc j'ai un traitement homéopathique, mais j'ai terminé. Et il faut que je renouvelle, et je vais chercher ça maintenant. Et si vous vous demandez, c'est mon jus vert là, avec de la spiruline. Très bon d'ailleurs pour le fer. Là, ça passe, mais en gélule, spiruline, ça passe pas du tout. Ça, c'est de la sortie quand même. En même temps, c'est mieux que rien. Quand je rentre, je vais faire... Je vous en parle pas trop, parce que franchement, ça peut être chiant, tous les trucs, genre le sport, le machin. Je le garde pour moi, mais je vais tester une nouvelle technique, genre pour ceux qui aiment pas trop faire du sport. Apparemment, c'est très efficace. Et ça dure 4 minutes. Et si tu fais ça tous les jours, et bah, tu vas avoir des fesses de ouf, des cuisses de ouf, bye bye de la cellulite, et tout et tout. Donc, avant de vous en parler, j'ai envie de tester. Et si il y a des résultats probants, là, je vous en parle. Ok? Ah, ah bah génial. Oui, c'était réglé. Donc oui, c'était réglé. Bon. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Petite question à votre avis, vu qu'il est presque 5h30, est-ce que je vais acheter un petit goûter pour Eric qui est en train de faire un régime sans sucre? Je vais lui prendre, il va être content. T'aimes bien les chouquettes? Il a la migraine. Mais pourquoi t'as la migraine? Je dors pas. Comment ça? Tu dors pas bien? Non, je dors pas. Mais ça se trouve, c'est ta tension, je vais te la prendre juste après. Hein. C'est lié au sommeil. Ça va m'agacer ça. Hein. C'est quoi? Bah, c'est pas normal que tu aies la migraine autant. Mais moi, c'est normal, moi, c'est hormonal, mais non, toi. Non, c'est pas hormonal, c'est lié au sommeil. Eh ben. 200 grammes de chouquette. C'est pas des chouquettes, ça. Si, rouquettes. C'est des rouquettes, oui. Chaque fois, j'ai même dit à la dame, je veux des chouquettes. Non. On les voit bien. Oh! Ça se fait pas. Non, mais attends, je vais faire un. Voilà. Comment tu les fais? Non, on les voit. Mais arrête! Oh, Noé, ça m'a saoulé, ça y est, allez, je m'en vais. Tu bouges plus. Tu te tais et tu me fais un beau score, d'accord? Tu fais péter un beau 12-7, grand max 13. Tu m'as fait un beau 12-7. Bon, bah écoute, il faut que tu te reposes, c'est tout. Tu parles plus, petit chat? Je mets la tête. Va te reposer. Reposer. Voilà. Ouais, ça m'embête qu'il soit comme ça. Non, rien, je dis va te reposer. Mais il regarde la télé beaucoup trop tard, donc il dort pas assez.
c'est passionnant. 19h16, je vais pas tarder à descendre pour préparer à manger. Vu que j'ai pas mangé des masses, je me dis, bah, vous l'avez vu de toute façon, j'aimerais bien manger pas trop tard. Même si les rouquettes, elles sont restées. J'aime pas le mot rouquette. C'est vraiment des rouquettes, ça s'appelle. Et regardez, le rouge à lèvres. C'est ça. À chaque fois que je mets du foncé, et bah, t'as que le contour et l'intérieur est parti. C'est pas beau. Chaque fois au début, je suis contente et je me dis, mais oui, c'est vrai. C'était pour ça que je n'en mettais plus. Hop, je me suis mis la combinaison pour être à l'aise. Il n'est pas super beau, mais il est vraiment confort, tout doux, j'adore. Je me suis mise là, avant de préparer à manger, parce qu'il est 19h29, pour continuer à bosser sur l'écriture. Parce que j'aime bien quand je bosse. Je bosse différentes choses, j'aime bien les bosser dans différents endroits. Ici, par exemple, je me pose quand j'écris. Soit je mets en fond la télé, soit bah, mon Google Home, je me mets un peu de musique. Je sais pas, le fait de pas bosser toujours dans les mêmes endroits, ça fait du bien. Parce que sinon, tout le temps la tête là-haut. Puis de toute façon, j'ai pas de bureau. Enfin, j'ai un bureau, mais pas pratique. Je vais aller voir Eric, savoir déjà s'il va mieux. J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il a envie de manger? Parce que je sais quand on n'est pas bien, enfin moi perso, il y a des choses qui passent, d'autres qui passent pas. Donc voilà, ça sera en fonction de ce que lui, il a envie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, si ce n'est que j'allais terminer maintenant, vous faire un énorme bisou. Et vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut.